Salut à tous et à toutes, c'est le TQ25, j'espère que vous allez très bien, en tout cas moi je vais vraiment bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, surtout une annonce. Donc c'est déjà premièrement, on arrive bientôt à 600 abonnés, ce qui n'est pas rien, j'avoue, je suis vraiment content. Mais c'est pour là, donc vous devez voir maintenant en ce moment le fond d'écran, enfin la vidéo que je vous mets. D'ailleurs je vous montre un fond d'écran personnalisé, enfin personnalisé, un fond d'écran installé via PC, via Internet, enfin via autre chose que le PlayStation Store du moins. Comme vous savez, la plupart des fonds d'écran sur la PlayStation Store sont payants, enfin du moins on n'en trouve pas gratuit. Alors est-ce que c'est moi qui vois mal? Enfin c'est encore possible, hein, mais bon. Donc je voulais savoir si ça vous intéresse un tutoriel pour mettre vos fonds d'écran. Enfin vous êtes sur, en fait il y a un site et de là donc vous téléchargez votre fond d'écran qui soit animé ou normal et vous le mettez dans votre PS3 via une clé USB. Enfin c'est un peu plus long que ça. Hein. Et ça vous permet de choisir, mais il y a des millions de fonds d'écran, il y a du Call of, hein, il y a vraiment tout sur la nature, enfin bref, il y a vraiment partout. Donc si ça vous intéresse, bah, dites-le-moi dans les commentaires et je vous ferai le tutoriel mercredi. Si ça vous intéresse pas, bah ça vous intéresse pas. Et autre chose, je recherche les maps offshore et décommission. Donc je suis pas en général je fais jamais ça, j'aime pas demander à mes abonnés comme ça, mais si jamais un de mes abonnés est sur PS3 qui voudrait bien passer offshore et des commissions pardon, bah s'il veut bien me le passer, bah, qu'il me contacte par message privé ou par le PSN et ça il sera remercié comme il faut, ça je peux le garantir, il sera remercié comme il faut. Écoutez, donc sur ce je reprends donc les vidéos, donc comme je dis à partir du ouais enfin tout ce qui est moi bah tous les armes et tout, donc à partir du enfin, le week-end qui suit le 15, on va dire, je pense on va dire à partir du 17 18. Et autre chose, j'ai une modification à faire pour MOAB toutes les armes. Donc vous savez très bien que j'ai dit que j'allais faire toutes les armes, hein, bouclier anti-émeute, armes secondaires, tout le tralala. Je suis actuellement coincé, je vais faire une petite liste. Pour ceux qui veulent, je vais faire ce concept-là à partir des 600 abonnés. D'ailleurs, c'est Angerfist07 qui l'a proposé. Si jamais un de mes abonnés a une MOAB ou MSR, ou Barrette ou Caucase, que c'est une arme que je n'ai pas encore fait. Hein, c'est pas la peine de faire une MOAB à la M4A1, je prendrai pas, j'ai déjà mis. Si c'est une arme que je n'ai pas encore fait, vous m'envoyez votre gameplay. Ou si c'est pas l'enregistré sur PS3, vous donnez votre PSN, je vous ajoute. Je vous l'enregistre et après, voilà, je vous supprime parce que j'ai trop d'amis. Hein, je prendrai un compte secondaire. Et donc, je commenterai le gameplay. Par contre, attention, je m'approprierai le gameplay, pas proprement dit. Je dirai bien au début, à la fin, que c'est votre gameplay, que c'est vous qui l'avez réalisé. Mais, quand je dirai dans le gameplay, imaginez-vous qu'à 3 minutes, vous débloquez votre Moab. Je dirai, bah voilà, au passage, je débloque ma Moab. Pourquoi? Parce que bon, pour que ça fasse moins tâche. Mais dans tous les cas, je dirais bien que c'est vous qui l'avez fait, pas moi. Donc si jamais ceux qui veulent, il reste tous les snipers, les fusils à pompe, il reste le KSG-12, le Striker, le AA-12, le modèle, le bouclier anti-émeute et les armes secondaires. Donc bah, SMAO, on s'en fout, on pas besoin d'un lanceur, mais J18, MP9 j'ai déjà fait. MP9 j'ai déjà fait avec le Space 12. Il reste G18, FMG9. Scorpion, Désertique et les petites armes secondaires, je connais pas les noms par cœur. Écoutez, sur ce, donc bah, je vous dis bah, à mercredi si vous voulez tutoriel ou si pas, bah, à partir au 15 ou 18. Allez, sur ce, prenez soin de vous, travaillez bien à l'école, enfin, on s'en fout un peu, mais c'est pas grave. Voilà, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, et salut tout le monde!